Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur encore un let's play de Starbound. Je suis super content de pouvoir en refaire un. La LAN que j'ai fait était géniale. Vous pouvez aller voir sur mon twitch.tv si vous êtes intéressé à voir comment était la LAN. Il y a tout un replay qui est dessus. Et maintenant on va recommencer où on s'est arrêté avec notre cher personnage Ruxy qui est maintenant dans son vaisseau. Et... ok, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? On était à la recherche des minerais pour créer... un beacon, comment dire ça en français déjà? Une bannière de vision quoi. Un truc pour trouver d'autres vaisseaux pour nous aider. On y va sur la planète et puis on va commencer trop tranquillement à faire ça. Donc j'ai laissé ma maison ici avec le gros trou ici. Et puis ma pioche est à la... donc à la recherche. Et c'est parti les gars. Est-ce que je crée... est-ce qu'on va créer des choses en attendant? Mais oui, mais oui. Oh, ça c'est pour créer quelque chose pour... bon non, je vais créer des plateformes. Voilà, comme ça on peut monter et descendre plus facilement. Et des torches. Voilà. Je suis en train de faire un let's play donc je suis désolé. Après, Toki. Merci. Donc on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va faire des recherches pour des minerais qui sont complètement nécessaires à la création de cette boule de sûreté, de cette chose pour que les autres vaisseaux puissent nous voir et puissent nous sauver. Donc minerais, c'est parti, creusons de ce côté. Là déjà j'ai trouvé quelque chose, je sais pas ce que c'est. Ah, de l'or. Ouh là là. Cool ça. On dirait que je vais trouver quelque chose en continuant par ici. Donc ça va être un let's play pour rechercher du minerai. Voilà. Peut-être qu'en faisant ça, je vais pouvoir découvrir d'autres choses. Et j'espère que, encore une fois, pour la 1287e fois, que vous aimez la musique. Parce que moi, je l'adore. Oui, oui. Dans cette direction, je suis plutôt sûr qu'on va trouver quelque chose. Allez, allons vers le bas. Donc j'ai des plateformes, je ne m'inquiète pas trop. Lampe de poche. Des minerais, là, vous voyez? Là. Là, ici, encore là aussi. Donc je suis dans la bonne direction. Hein. On va réussir à faire tout ça. Et j'espère qu'à la fin de cet épisode, j'aurai tous les minerais que je pourrai vous présenter ensuite par surprise. Le reste, comment ça se continue ce genre d'histoire? J'ai envie de sortir de cette planète, j'en ai marre. Mon personnage en a marre d'être ici. Il y a des extraterrestres partout, c'est violet. Pourquoi le sol est violet? Pourquoi le ciel est vert? Ça fait peur quand le ciel est vert comme ça. Oh. Alors, allez, allez, on continue. Allez, Bernard. Rien de bien visible, hein, on dirait. Faut vraiment creuser loin pour trouver des choses. J'espère qu'il y a... un objet détecteur, parce que là on va faire des recherches parce que j'ai l'impression que ça prendra un temps de fou. Donc alors ça c'est du crafting de base, basic crafting ils appellent ça. Juste moi et mes mains. Là c'est tout ce qui est armure. Écoutez, on va re-aller vers mes tables de craft et reste parce que c'est quand même embêtant tout ça. Vous voyez, je peux utiliser ces plateformes pour monter. Hop, voilà, nickel. Donc on va aller voir ce qu'on peut fabriquer maintenant avec ce qu'on a, parce que j'ai l'impression que ça prendrait vraiment trop de temps pour chercher tous ces minerais un par un. Donc voyons qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec notre table de craft. Allez, un saut juste. Bon non, écoutez, on va poser un escalier ici. Je vais s'embêter. Voilà.
donc interagir avec. Qu'est-ce que je peux vraiment fabriquer? Alors, une porte en bois, une lanterne. Est-ce que la lanterne... Non, je sais pas. Chaise. Pickaxe, une porte, des armes. Et c'est schématique, Iron Anvil. Porte en bois. Une table en bois. C'est ça que je dois créer. Donc il me faut beaucoup d'ingrédients. On va quand même faire quand même tout le bois. Allez. Recherche de bois, les gars. Mais j'aimerais bien pouvoir créer une hache. Une épée. Donc ça, c'est quoi? C'est les armes, non? Pourquoi rien n'apparaît quand je suis ici? Des choses de ce jeu m'énervent, quoi. Donc ouais, ça c'est pour le coloriage. Là, je cherche des plantes, je trouve. Là, c'est la nourriture. Search, si je fais sword, épée, je trouve rien. Si je fais axe, je trouve pas de hache non plus. Bizarre, hein. Des fois, ils sont bizarres dans le jeu. Ils sont pas très logiques, hein. Bon. Alors, on va y aller comme ça. Coupons le bois lentement. Ah, mais pourquoi donc? Mais pourquoi donc faut-il faire ça d'une façon lente? Ah là là, cher concepteur de jeu, rendez-nous plus logique la recherche des minerais. Ça, c'est quelque chose d'important parce que ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Ou trouvez-nous une stratégie pour faire avancer cet objectif de jeu un peu plus, parce que là, là ça va pas. Hein. Hey, des minerais en dessous. Peut-être que je devrais juste faire ça via l'extérieur, hein? Aller rechercher comme ça et puis aller chercher d'autres minerais là. Mais là en dessous, on dirait qu'il y a beaucoup, beaucoup. On va couper tous ces arbres, passer en dessous, chercher ces minerais. On va avoir des choses, quoi, les gars. Allez. Et puis à gauche, là, on dirait qu'il y a des minerais aussi. Voilà, 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 du peu, du peu. Et là, il y a un monstre. Là, on coupe aussi. Tranquille, tranquille. Perp, perp. Je vais mettre une musique pour couper le bois, mais... Regarde comme il coupe le bois, là. Enfin, c'est pas comme les bûcherons, hein. Le bûcheron... Tu vois le type, là, avec son laser. Regarde, il est immobile. Il a l'air de s'ennuyer, quoi. Mais non, c'est pas ennuyant, Rixi. C'est cool de couper du bois comme ça. Meilleur job du monde, regarde. T'es perp là, tu vois. Tranquille. Franchement, il a l'air de faire chier. Je commence à avoir faim. Alors, va tuer le gars en dessous. Donc, allez, le bois. Hop. Hey, cool. Et là, on va creuser ici. On va tuer le gars là. Sort direct, t'as vu? Ouais, c'est ça, viens ici, toi. Yeah. Tac! Wouh! Tiou! La viande! Ok, vite, cuisons notre viande! Parce que j'ai faim, mon personnage a faim. Alors, on va aller ici. Oui. Cuisons. Ici que tu cuisais là. Oh zut, je l'ai oublié ici. Oh, je... Là. Prenons. Mettons. Cuisant. Oui. Prenons. Ouvrons l'inventaire. Là. Sortons. Mettons là. Notre 4-5 LR. C'est pas R, pourquoi c'est marqué LR? Ah, left and right. Clic droite et gauche, quoi. D'accord, ça doit être ça. Donc bref, on va aller là-bas, on va aller chercher les minerais qui sont ici en dessous aussi. Donc allons-y.
Je l'ai tué parce qu'il y a des minerais et on dirait un tas juste là à gauche, donc on va y aller. Allez, on va copper, copper. Voilà, là donc je me suis nourri un petit peu, c'est bien. Si je vois d'autres monstres, je les tue et je prends un peu de la nourriture, on est bien après. C'est nickel comme ça. Allez, merci. Là aussi, on fait une petite recherche. Cherchons des minerais. Alors, les minerais. Il y a la lumière là. Ouh, qu'est-ce que je trouve là? Wow, du minerai. Plus de minerais, c'est cool. Oh oh, comment ça faire lui? On va mettre une lumière là. Voilà, comme ça on crève pas de froid. Donc, c'est du charbon. Hein. Faut pas se leurrer, les gars. C'est pas l'ultime minerai qu'on cherche. Mais je vais explorer cette caverne. Peut-être que je trouverai quelque chose au fond. Voilà. Ça c'est trouvé. Et ben voilà. Tu vois, il y a quelque chose au fond. Hein. Il est où? Oui, il est là. Oula, oula, ouais, je savais que vous étiez là. Non, non, mais laissez-moi sortir. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Ouf. Hard, hein, hard, les gars. On va mettre quand même une autre lampe là. Oh! Heureusement que j'ai mis, hein. Regardez le monstre qu'il y a là-dessous. Ça a l'air dangereux. Hein. Non, 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 non. Là, ça fonctionne pas. Un escalier là. Ok. Juste au cas où. Ouf. Hard, hard, ce jeu, les gars. Hard! Allez le salaud, hein, on va te tuer. Ils sont dangereux sur ces planètes, ces méchantes créatures. Pourquoi ils sont pas doux comme les souris que j'avais vues dans l'autre épisode? Ils sont vraiment sympas, les petites souris qui font qui te regardent avec juste les petits yeux. T'as vu comme ils sautent partout? Mais c'est... regarde, regarde, c'est un fou. Moi je suis pas comme ça, hein. Je fais pas tout le temps. Mon dieu. Ok. Comment va-t-on faire? Qu'est-ce qu'on va-t-on faire? Donc voilà, ces lanternes me donnent un peu de chaleur. Est-ce que je vais plus profondément? Je commence à avoir peur. Comment je fais? Allez, on y va. Et j'ai plus que, et j'ai qu'un arc pour me défendre, quoi. C'est hard, hein. Voilà, là, ça commence à devenir dangereux. On a plus de vision là, hein. Hey, les gars, ils s'attaquent pas entre eux, quoi, quand même. Ok. Il faut un angle. Je peux les tuer. Là. Vas-y. Allez. Voilà. Aïe, aïe, ah, non, 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 non. Oh là là. Eh, c'est vraiment pas facile à tuer ces monstres. Il me refaut une épée, hein. La vieille épée que j'avais en haut, elle était bien, hein, pour ça. Bon, heureusement que quand tu meurs, c'est pas la fin du monde, mais quand même. Oulala, là là, mon personnage commence à avoir froid. Donc on va faire comme ça.
Je vais aller relever vers ma lanterne et on va se poser. Aïe. Comment faire? Comment faire, les gars? On va voir si je peux faire un feu de camp ici dedans. Ah non, il me faut une table de crabe pour les feux de camp. Donc j'ai 1000 dirt blocks, oh my gosh. Ça c'est un des matériaux qu'il me faut. Il me faut du fer, il me faut plus qui sont là. Et il me faut manger, il faut plein de trucs. Donc est-ce que je peux fabriquer des bandages? Voilà. Voilà, je me suis fabriqué des bandages. Tant mieux. On va les mettre dans un endroit où je vais les utiliser. Le numéro 9. Voilà. Oh là 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 là. Dangereux juste avec un arc. Moi, il me faudra une épée. C'était beaucoup plus facile avec une épée. Hein. Et j'ai aussi vu que tu peux faire des mitrailleuses dans le jeu. Ok, on est bon. Continue. Et ils sont partis. Ils vont me laisser tranquille à moi, c'est sympa ça. Merci les gars. Voilà, on va monter ici. J'ai vu les minerais là. Là. Hein. Voilà. Wouh! Ok. Là, creusons. Non, je pense que c'est du charbon. Encore. Là, c'est de l'or, par contre, c'est bien. Ouais, cool. Donc, on peut pas. Donc, les choses que j'ai appris, on peut pas faire avancer de jour en nuit. Malgré qu'on va dans un lit pour dormir, ça change rien. Pas comme dans Minecraft, que ça change automatiquement lorsque tu fais ça et que t'es seul dans ton monde. Voilà, il me faudrait presque des renseignements d'autres joueurs. Donc j'avais trouvé quelqu'un qui avait joué à ce jeu et je pense qu'on va jouer une partie avec lui dans le prochain Let's Play. Un petit multijoueur, un petit quelque chose qui n'est pas vraiment dans la suite des épisodes, mais qu'on va quand même faire pour changer un peu la donne. Et après je reviendrai bien sûr ici dedans avec plus d'informations. Mais le truc c'est qu'il faut vraiment chercher ces minerais en ce moment. Donc ça prend du temps néanmoins. Quelque chose qui devrait peut-être changer. Donc c'est pas un jeu où t'as forcément envie de toujours farmer. Sauf si tu veux vraiment créer l'objet, tu vois. Créer un truc de détresse, c'est quelque chose qui te fera avancer dans la partie. Mais qui te donne pas trop envie quand même. Hop là, non, pas là. Ah, je vais mourir de froid. Non. Ça va, moi. Voilà. Ah là 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 là. Bon, alors, les gars. Est-ce que je peux fabriquer une table de craft ici au milieu, quoi? Il me faut plus de bois. Hé hé. Ok, en fait, je vais remonter à ma maison, quoi. Le concept jour-nuit est embêtant aussi. Oula. Et les monstres apparaissent à des endroits un peu n'importe comment. Saute. Ah. Hard les gars, hard. Alors on va prendre le chaleur un peu ici, la. Voilà, et on continue. Mais c'est un homme mouton. Un homme mouton les gars. Courant à notre maison. Et en plus il y a la pluie assez dehors. Cool. Génial. Et voilà. On va survivre. Woo! Dear God Lord. Bon. Comment va-t-on faire les gars? Comment va-t-on faire pour continuer dans cette partie?
Vous le saurez la prochaine fois dans le prochain let's play. On est à 20 minutes déjà. Le truc c'est que je vais devoir chercher les minerais et faire un prochain let's play plutôt que de vous ennuyer à mort en faisant rien et faisant des recherches de minerais qui servent d'un grand chose. Ils servent beaucoup mais ça n'avance pas. Ça n'avance pas dans le jeu. Quelque chose qui m'embête du jeu, voilà. Donc on va fabriquer tous ces minerais et je vais vous laisser y aller. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. Désolé que ça prend autant de temps, qu'il y a des concepts à voir, le froid, les lanternes, la façon de rechercher les minerais, on voit rien du tout. Donc c'est long à faire, donc je vais le faire, je vais m'y atteler. Et après, je vous reviendrai faire une vidéo lorsque j'aurai tout. Hein? Ça vous va comme ça les gars? Bon, merci d'avoir regardé tout de même. C'était Rixi de Rixi Games. Out!